Bref, j'étais avec ma pote, je matais une série, j'ai reçu une alerte, j'ai regardé mon portable. C'était une annonce de recrutement pour médecin urgentiste à Mulhouse, au GHR MSA. Je me suis demandé où c'est. J'ai demandé à ma pote, tu sais où c'est Mulhouse? Je connais pas. J'ai appelé ma mère, elle m'a dit, je connais pas. J'ai tapé Mulhouse, j'ai découvert que c'était en Alsace. J'ai aussi vu un article dans le journal The Guardian qui fait l'éloge de la ville. J'ai appelé ma mère qui adore l'Alsace, elle m'a dit, l'Alsace? Mais c'est génial, mon fils, fonce! J'ai foncé. J'ai pris l'avion, j'ai atterri à l'aéroport Bâle Mulhouse. 30 minutes après, j'étais à Mulhouse. J'ai retrouvé ma pote qui était venue en train, 2h40 depuis Paris. On allait en terrasse, on a mangé une tarte flambée. C'est autre chose que McDo, hein? Mais grave. On a kiffé la place de la Réunion. Puis on a demandé à un passant ce qu'on pouvait faire à Mulhouse. Tu peux aller au musée de l'auto, tu peux aller au zoo, en Suisse, en Allemagne, tu peux aller dans les Vosges faire du ski, du parapente, ou alors du shopping à Mulhouse. Puis là, je me suis dit, merde, je suis à la bourre. J'ai fait un check à ma pote, puis je suis parti. Je suis arrivé aux urgences, j'ai vu l'agent d'accueil, je lui ai dit, bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour l'annonce. Elle m'a dit, laquelle? On en a plein. Je lui ai dit, celle de médecin urgentiste. Elle a sauté de joie. Elle m'a fait visiter, et là c'est comme si j'y étais. J'ai pris un appel. Oui, c'est le médecin du SAMU 68, je vous écoute. Très bien, je vous envoie un médecin. Je suis parti en inter à l'hélico. On part sur quoi? Nous allons au Markstein, un accident de ski. J'ai décalé en VL. On part pour une douleur thoracique, patient de 50 ans, sans antécédent. J'ai participé à une formation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai vu le radiologue pour l'analyse d'une fracture. La fracture paraît plutôt bien déplacée. Je pense qu'il faudrait un avis chirurgical. Puis on m'a appelé pour un déchoc. On lui fait gaz du sang, NFS, chimie, you know. Ok, vite, vite, on va le perdre. J'ai vu la directrice du GHR MSA, elle m'a dit, on a besoin de vous. J'ai vu un patient, il m'a dit, on a besoin de vous. J'ai vu l'équipe des urgences, ils m'ont dit, on a besoin de vous. Bref, je suis devenu médecin urgentiste au GHR MSA.